Pourquoi est-ce que tu te relèves? Pourquoi est-ce que tu te bats, Naruto? Pour sauver tes compagnons? Pour sauver le monde? À quoi bon défendre une cause perdue? Tu veux que je te dise? Tes amis finiront par te poignarder dans le dos. Et tout l'amour que tu portais à ce monde se transformera en haine. Tu devrais pourtant savoir tout ça. Les villageois t'ont déjà trahi par le passé, tout comme Sasuke. Et l'affection que tu portais à Jiraiya n'a-t-elle pas laissé place à la colère? Nous sommes semblables, toi et moi. La peine et la souffrance auront raison de toi, elles te changeront radicalement. Car tu connaîtras bien d'autres peines encore, bien d'autres souffrances, tu peux me croire. Alors ta foi en ce monde va-t-elle rester inchangée? Va-t-elle résister malgré l'évidence? Tu ignores d'où viendra la prochaine trahison, mais elle viendra. Imagine que l'Alliance déclenche une nouvelle guerre. Que feras-tu alors? Pour couronner le tout, tu n'es même pas sûr de pouvoir me vaincre. Crois-moi, tu fais fausse route, Naruto. Ce monde ne vaut pas la peine qu'on se batte pour lui. De toute façon, il cessera d'exister dans quelques instants. Alors pourquoi t'obstines-tu encore à te battre? Je m'obstine. Parce que tel est mon Nindo. Et aussi parce que je ne reviens jamais sur ma parole. C'est ainsi que je conçois la voix du ninja Obito.